La star de Manchester City, Erling Haaland, est devenue ces dernières semaines une cible pour le Real Madrid, qui se prépare à recruter un nouvel attaquant l'été prochain. Les géants espagnols doivent encore recruter un attaquant prolifique pour remplacer Karim Benzema, qui a rejoint le club saoudien d'Al Ittihad au début de la saison. Kylian Mbappé est la cible privilégiée du Real Madrid depuis un certain temps, mais son avenir reste incertain en raison d'un différend contractuel avec le Paris Saint-Germain et de l'intérêt de Liverpool. Comme il a déjà été révélé, les Blancos sont également de grands admirateurs d'Erling Haaland. Des rapports en provenance d'Espagne, dont le média AS, suggèrent qu'il a une clause dans son contrat qui lui permettrait de rejoindre le Real Madrid pour une somme réduite de 100 millions d'euros. Les Madrilènes sauteraient sur l'occasion si ces affirmations étaient vraies, mais il faudrait encore convaincre Erling Haaland de quitter Manchester City, où son contrat est valable jusqu'en 2027. La perspective d'un départ de l'avant-centre norvégien est inquiétante pour les supporters de Manchester City, étant donné qu'il a marqué 14 buts en seulement 16 apparitions en Premier League cette saison et qu'il en a marqué 36 la saison dernière. Si les Citizens veulent dépasser Liverpool et remporter un quatrième titre consécutif, Erling Haaland devra continuer à marquer des buts. Lors d'une conférence de presse vendredi après-midi, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, s'est vu demander s'il était possible que Erling Haaland rejoigne le Real Madrid, alors que l'on dit que l'attaquant est malheureux en Angleterre. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en était de ces informations, Pep Guardiola a répondu en plaisantant « Je ne sais pas. Il faut demander aux médias madrilènes s'il n'est pas heureux. Peut-être ont-ils plus d'informations que nous. Je n'ai pas l'impression qu'il soit malheureux. Il l'était parce qu'il n'a pas pu jouer pendant 2 mois à cause de sa blessure. » Peut-être que les médias espagnols, en particulier ceux de Madrid, ont plus d'informations que nous. Interrogé sur la possibilité que ces rumeurs déstabilisent Erling Haaland, Pep Guardiola a répondu « Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est pas adapté rapidement et qu'il n'était pas bien depuis son arrivée. C'est le niveau qu'il a montré depuis le premier jour de son arrivée. Nous ne pouvons donc pas contrôler ce que disent les autres. L'important, c'est qu'il soit heureux et qu'il prenne sa décision s'il n'est pas satisfait. Il est prêt. Tout le monde est en forme, tout le monde est de retour. » Erling Haaland a fait son retour sur le terrain lors de la victoire 3-1 de Manchester City sur Burnley, avec une apparition de 19 minutes sur le banc de touche.